Un scandale qui est pour fait dans le mois avril-mai 2024, ça. Nous, Mounsa, au sein d'une famille résidentielle haïtienne. Qui est une mafia qui pourrait tomber dans le désert? Selon Vénérable Toussaint Louva, qui toujours fait des prédictions sur les événements à venir, c'est lui-même qui t'a annoncé la mort ancien président Jovenel Moïse, c'est lui-même qui t'a annoncé la mort artiste Mika Ben, c'est lui-même qui t'a annoncé la mort journaliste Liliane Pierre-Paul et tant d'autres personnages. Eh bien, il fait connaître. Après installation conseil présidentiel 9 têtes là, pral gen yon membre qui fait partie de conseil là qui pral faire vrel pour payer sans chapeau. Ça veut dire pral gen yon là dedans qui pral tomber, qui pral mourir. Et il y a plus loin, il fait qu'on est dans mois d'avril ça pour rentrer mois de mai ça là, pral gen yon bain de sang qui pral fait en Haïti plus précisément dans capitale pays a. Donc, ça ne doit pas être vivant sur mieux ta fête, ça pas qu'on jamme rien de vos sacs pralgués pour le fête. D'ailleurs, nous avons tout bagay paraître à clair devant nous. Franz Albe campé en beau, li sémente 7 fois 77 fois, li dit vle pa vle, wè pa wè, evè jan, fok conseil présidentiel la installé, et population fait qu'on est yo même yo pas besoin conseil présidentiel 9 têtes là. Nèg vivant sans yon bon yon même yon fait qu'on est au lié pour conseil présidentiel la ta installé yon ta préféré réduit pays d'Haïti en cendre parce que yon pas besoin conseil présidentiel 9 têtes là. Eh bien rete là ta le konsa nou pral saisi tande grosse prédiction que Toussaint Louva li même la fait pour pays d'Haïti. Mauvaise nouvelle pour peuple haïtien. Après gros chita palé qui te gagné entre membre conseil présidentiel 9 têtes yo ak premier ministre Aïa qui c'est Michel Patrick Boisvert ak DG PNH lan qui c'est Franz LB concernant de installation conseil présidentiel 9 têtes lan, et bien Leslie Voltaire lui-même li fait connait la police nationale d'Haïti ak la Médaïti qui a pris une grosse disposition pour mettre sécurité pour installation conseil présidentiel 9 têtes là capable de faire dans la semaine qui a venu là. Et lui-même, aller plus loin, il fait qu'on est appuyé à 100% déploiement force multinationale là sous sol papa Dessalines. Donc, ça fait l'aide, ça fait honte. Nous, qui est-ce qui a écrasé la Médaïti déjà? Et c'est même yo même encore qui te prend 48 matériel volant que nous même nous te gagne en Haïti, yo vann République Dominicaine. Li pa l'autre que Lavalas. Et puis pour journée jodi a même Lavalas sa yo fait géo bien cherche, yo passe géo soleil. Yo fait né yo bien fret pour yo mandé pour la Médaïti que Jovenel Moïse te remette campé sous pied ya, support yo pour sécurité installation conseil présidentiel 9 tête là. Ala moun yo san wot papa. Et c'est même Lavalas sa yo qui t'a découragé peuple haïtien, qui t'a découragé l'armée d'Haïti que Jovenel Moïse t'a pour remettre campé sous pied ya. C'est même Lavalas yo qui t'a fait connait. C'est avec Timoso manchette, c'est avec Timoso couteau. Yo équipe ti grand moun qui gagne dans l'armée hein. Donc moun sa yo pap kagoumen pour pays d'Haïti vraiment. Et puis pour journée jodi ya, pour même Lavalas sa yo qui t'a cherché craser la Médaïti ak propre bouche yo, pour même yo même encore besoin support la Médaïti, ça fait honte. Moi même moi pas appuyer conseil présidentiel là dans aucun sens. Moi pral di nou pour qui raison? Donc gade sous écran ensemble avec moi, moi pral expliquer nous. Ouais, même moun qui fait partie de conseil présidentiel 9 têtes là, et mais c'est même yo même encore qui qu'on a pesé soucé. C'est même yon même encore qui dans système. C'est même yon même encore qui t'a volé l'argent nous. C'est même yon même encore qui monte l'argent américain dollar secret là les que yon vle. En suivant ça ma vem. Smith Augustin, ancien ambassadeur d'Haïti en République Dominicaine et haut fonctionnaire des Nations Unies. C'est même Kovolo yo, c'est même Lavalas yo, c'est même Aoussa yo, c'est même criminel yo, c'est même yo même qui te créé bandit dans le pays d'Haïti.
Louis-Gérald Gilles, médecin ancien sénateur Lavalas et responsable du parti politique Noula. Noué, c'est même Lavalas yo. Même yo même encore qu'on a pesé sous c'est même vieux système nan. C'est même à où ça yo. Fritz Alphonse Jean, bon mes pays poté ya. Économiste et ancien gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, BRH, avec une expérience dans les secteurs publics et privés haïtiens. Des minutes de Banque nationale, nous, c'est quoi volo yo? C'est eux-mêmes qui ont pigé nous. C'est eux-mêmes qui monté là, on doit la 50 dans l'air ou vle. C'est eux-mêmes qui fait ça ou vle avec l'argent pays. Edgar Leblanc, le fils, mais d'un devant. Ancien président du Sénat de la République et membre du Conseil présidentiel de transition. Lui-même, il était président Sénat. Et c'est même lui-même tout depuis le temps de transition qui toujours portait Fali en premier pour le capable président. C'est même colonne Lavalas. Donc nous, le Conseil présidentiel 9 têtes, il est formé de Lavalas et PHTK. Bon, je dis de Lavalas seulement parce que la majorité des gens qui sont dans le c'est représentant Lavalas que vous avez. N'a pas continué. Laurent Saint-Cyr, entrepreneur, président de la Banque de l'Union haïtienne, BUH, et directeur exécutif et développement des affaires. Bon, ça, c'est Mulat qui prend pause que c'est haïtien pour être capable de fin craser, briser, pour être capable de faire ça, vous voulez, en tant pays. C'est même volé, c'est même criminel, yo. C'est même yo même qui c'est papa bandi yo. C'est même yo même qui met zam nan mes bandi yo. C'est même yo même viré tourné. Kap voye zam, kap voye bal, kap voye munition pour bandi yo capable. Koumé kote nous même qui c'est frère yo. Emmanuel Vertiller, avocat au barreau du Cap Haïtien et juge avec une spécialisation en criminologie et lutte contre la corruption. Et pour finir, Leslie Voltaire, architecte urbaniste, ancien ministre de l'Éducation et des Haïtiens à l'étranger. Donc, nous, pour qui raison, moi-même, moi dis, moi pas voter dans aucun sens conseil présidentiel 9 têtes, là. Parce que, nex, ça, c'est pas un yé à vin fait, vraiment. C'est continuer, au besoin de continuer ça qu'on a fait, yo. C'est continuer, au besoin de continuer, régénérer ce système, non. C'est continuer, au besoin de continuer. Puis on va comment capable vendre ti reste ma pays d'Haïti by international. C'est continuer vinn plein passion dans l'argent pays ya. Nèg sa yo c'est pas un rien ya vinn faire pour nous vraiment. En tous les cas arrêter là pas déplacer. Ouais vidéo ça li extrêmement important donc faut nous bon petit cal dans temps nous pour nous capable garder net pour nous capable qui complot que nèg yo même ya monter sous dos nous même peuple haïtien pour nous capable manger calé grain genou pour nous pas prendre zanana pour Suzanne. Diaspora haïtien yo nan tout quatre coins monde lan réclamé Bayo Guy Philippe. Quel te diaspora États-Unis, quel te diaspora la France, quel te diaspora Canada, quel te diaspora Chili, quel te diaspora Brésil, quel te diaspora République Dominicaine, et ben yo réclamé pour installation Guy Philippe. Et mais ça perd du temps, mon pral le faire nous garder comment diaspora États-Unis yo même y a manifesté mécontentement yo contre conseil présidentiel 9 têtes ça que nèg yo besoin vinn installer en Haïti ya. Et tout suite après m'a tout fait nous tenir ensemble avec moi comment un vénérable Toussaint Louval lui-même a fait des prédictions sous pays d'Haïti. On tu va même pas déplacer gères bagaille derrière. Dis bien non sans hypocrite par là. M'pas besoin qu'on ait Jean-JPP, Jean-Sauti, même Jean-Sauti, moi-même, yo mette coupé tête, mon côté m'a parlé, moi-même, quoi, nan Guy Philippe. C'est le conseil, CARICOM, sous côté, et puis Guy Philippe, pour nous pousser, pour arriver vers l'avant. Pourquoi ça pense, Guy Philippe? Parce que, s'il prêt pour le bataille, pour payer l'idou, la mort, la vie, yo mette tuyel, c'est pour payer les vins, il a défendu un bagay, ça, c'est sans manque. Sans Guy Philippe, pas Haïti, non? Quand l'on a dit ça, qui m'a arrêté ensemble, non? Si je te comprends, ça y a fait, je te pensé avec famille demain, je te pensé à tête, avec madame, petite, je ne vais pas te faire mal. Dans la condition ça.
Le ramasse tout colonne groupe nèg sa yo. Ti respire te a vinn prendre. C'est celle qui Philippe pour moi même. M'pa konn pour l'autre monde. Qui te ka mette nous sur un rail, mais m'pa wè personne encore. Ça tout quoi penser c'est Guy Philippe. Parce que moi Guy Philippe gon conviction, son monde qui voulait voler pays, qui voulait mener pays à mon côté. Problème gen a conseil là parce que il pas révélé, il pas reflété et maman loi pays nous. Parce que normalement loi pays nous, mais que ce soit constitution amendée ou pas, li pas prévoit à ce que nous gagnions 9 moun. Mais koulia s'il t'est sorti non cassation, ça peut-être il t'a reflété quelque chose parce que cassation elle fait partie de pouvoir nous de un scandale qui est pour fait non mois avril mai 2024 ça. Nous, moun sa, l'on regarde 12 disciples Jésus, ou après, nous, moun sa, la fait partie de 12 disciples de Jésus. Et ça, ça veut dire, l'un des disciples de Jésus fera le scandale. Ou après, mon scandale qui est pour faire dans le mois d'avril, mai de cette année. Songez ça. Gros malin qui est pour péter dans avril, mai, année ça, un scandale qui a pété. Mais nous, moun sa, nous regardons les 12 disciples de Jésus, nous, moun sa, la dedans. Non, pas avancer. Nous te dit une grande tristesse traversera le pays. Gen zone là moun ap mouri la fin en Haïti. Yo kase de pou manje, marché pa fonctionner, zone yo barré, glo moun yo fini, manje yo fini. Et men gon grand tristesse. Gon famine ki va traverser pays a. Songe ça. Et m'te dit la dame lave ses mains dans le sang du leader. Gon leader mouri, et bien gon femme qui pon qui vêt blanc, la lave mains dans le sang leader. La dame lave ses mains dans le sang du leader. Et pour mettre sérieux sous carton, le peuple, connaît nous. Écris ça dans carnet la caille, écris ça en lettres carbone nous sambal dia. Écris non porte la caille nous, là sorti pour Noël. Deuil au sein d'une famille résidentielle haïtienne. Deuil au sein d'une famille résidentielle haïtienne. Deuil au sein d'une famille. OK, donc kounya la, moi pral faire place ensemble avec Leslie Voltaire lui-même qui pral parler ensemble avec peuple haïtien. Donc rale ti chaise ba nou, kage kon nou bien kage parce que gè causé dans la République et pas négliger dim qui ça que nous penser tout dans espace commentaire là. On tu va même pas déplacer. Bonjour monsieur le président, merci parce que ensemble avec nous sur Radio Matrix 9, merci pour disponibilité. Avec vous nous pral aborder plusieurs points qui gè pourrait avec fonctionnement conseil présidentiel là, c'est première fois n'a pour se voir un officiel en dehors conseil présidentiel là puisque depuis 16 mars qui s'est passé là avec arrêté qui nous et fait de nous des officiels et des membres conseil présidentiel là, des présidents, mon capable dit. Merci pour grande disponibilité. D'abord nous voulons ou bonne anti information rapide sur depuis les nous fin nommé officiellement à journée aujourd'hui là. Et comment nous commençons à organiser nous au niveau du conseil présidentiel là? Et merci Robinson. Quand on connaît que c'est à peu près deux jours de ça que le décret apparaît, que arrêté de nomination avec nous. Et jusqu'à présent, nous pouvons recevoir ampliation personnelle de chaque membre, donc nous attendons toujours. Et je veux dire que depuis le ça, nous organisons, nous faisons
commission de passation de pouvoir. Commission ça, il y a 9 membres, ça veut dire il y a un délégué par par membre du conseil là. Par exemple, nous-mêmes nous voyons Jean-Mirto Julien en dans conseil là. Il y a un monde qui voyait Sorel Jacin dans le conseil là, il y a un monde qui voyait l'autre représentant en dans conseil là, comme Philippe Boisson, Pierre-Marie Boisson pour secteur privé, etc. Donc commission ça est divisée en 4 sous-commissions de protocole, une sous-commission de logistique, une sous-commission de passation de dossiers. Nous t'ai rencontré avec le Premier ministre A.I. Boisvert hier en commission. Avant, Monsieur le Président, avant venir sur rencontre hier, nous gagnons la pointe de venir sur lui. Ben nous bail rapidement composition commission principale là. Ça nous est duré les coordinations commission. Et nous mettez campé là. Et si quelqu'un nous qui mal placé et ou a payé corriger pour nous, parce que ça, c'est document, nous jeunes qui sortis dans le conseil présidentiel là. Nous, Pierre-Marie Boisson, c'est lui qui représente le secteur privé là. Jean Jumeau, René, c'est lui qui représente Rennes. Et Gédéon Jean, groupe société civile. Sorel Jacette, après 21 décembre. Gracia Jean-Charles, Petite Dessaline. Julien Jean-Mirto, Fabien Lavalas. Kleska Monique Montana, Luberis Renal de Berus, c'est lui-même qui est présenté, groupe aidé, RED, puis compromis historique. Pour collectif 30 décembre, moi, ouais, pour qu'on gagne dans la donne. Ça, c'est composition et coordination principale là, mais j'en souligne de là, il y a 4 autres sous-commissions qui gagnent et d'autres représentants là-dedans. Et en effet, et à nous venir sous rencontre hier là, puisque c'est première rencontre officielle entre conseil présidentiel là avec au membre gouvernement, pour le ministre A.I. pendant Ariel Henry en PCA. Sous qui ça rencontre ça a été déroulé et sous qui ça nous mettons d'accord? Bon, et sous rencontre ça, t'es gagné et la dernière, non seulement Premier ministre A.I. Boisvert, mais t'es gagné et chef la police là, France LB, t'es gagné et DCPA, Monsieur Mathurin, et puis t'es gagné Monsieur Parizon pour Palais National. Vous connaissez que c'est un événement. Installation qui vient pour préparer semaine prochaine. Nous parler de sécurité, un plan de sécurité qui vient pour fête. Et il dit qu'il y a un plan de sécurité pour montrer nous. Nous parler de installation hein, qui le pour le fête, qui vient pour le fête. Et nous gagnons 2 points focaux pour commission passation de marché, passation de pouvoir là. Qui c'est M. Jude Charles Faustin, qui c'est secrétaire général primature là, et M. José Pierre-Louis, qui c'est secrétaire général Palais National. Donc, commission vient pour entrer en contact avec eux, probablement jeudi, hein, pour que yo entre en contact avec protocole ministère Affaires étrangères, protocole Palais National, commission sécurité Palais National, et pour regarder qui installation pour faire, est-ce que parler à les fonctionnels, qui côté nous va le faire, est-ce que alors il y a toute base ça location chaise etc., mais commission ça yo gain pour yo ba un rapport commission passation de pouvoir là qui eux-mêmes il y a ba conseiller présidentiel yo un rapport de qui j'en pour le faire, et en plus faut bon petit budget qui organisé pour toute commission ça yo pour que travail là qu'a fait d'une manière efficace. Mm-hmm. Et qui garantit chef police là et responsable de la police qui était participé dans rencontre ça, ben nous là nous considérer comment en bas la ville là et dernier contact moi t'ai avec on source nous dans Palais National, il était souligné pour nous que et Palais National l'irrité conforme d'adjou et sur les qui vivent. Puisque non seulement nous recevons une attaque déjà, mais nous toujours sous menace attaque bandits et sous Jean Massa. Qui est ça, directeur général de la police nationale, a dit non dans ce sens? Bon, lui-même, il a tout garanti. Il a demandé 72 heures minimum pour qu'il soit paré pour le nettoyage. Il y a des équipements de travaux publics qui ont nettoyé
tout autour de Baléa. Et yo même te dit que yo pral organiser sécurité à un périmètre de sécurité pour que invité yo capable arriver sans problème dans Baléa. Donc c'est son plan qui prend en compte simplement zone palais national. Zone palais national et circuit pour arriver dans palais national là tout. Magique 9. Et probablement un périmètre assez large autour de Palais. OK. Et ça, c'est commission sécurité a qui pour aller parler avec autorité policière yo, et autorité et l'armée d'Haïti qui pour eux-mêmes yo vinn di nous mais qui plan que yo gagne pour que nous-mêmes nous entrer en confiance. Gion sous nous dans le conseil présidentiel hier soir qui parle avec le journal de Nouvelle 10, il dit nous avons discuté tout de sécurité individuelle pour conseiller présidentiel. Est-ce que il y a des dispositions qui t'a prendre dans sens ça? Effectivement, il y a des dispositions qui prend dans sens ça, nous discuter de ça et yo même yo mettez en contact avec l'armée et avec la police pour avec USGPN pour sécurité individuelle. Ça veut dire que chaque temps là, il y a des cortèges là et avec la police militaire et cap sécuriser chaque membre. C'est ça, les deux et cortèges. Même si on compte 14 machines la main et Ariel Henry, ancien premier ministre à IA. Et nous-mêmes, peut-être que nous avons divisé 14 ça par 7, nous avons chaque deux machines. Et nous neuf nous chaque lagué de la capable peut-être dépasser la certainement dépasser 14. Yo dit gain pas Jovenel yo et n'a pas l'air que personne pas veut monter peut-être gain bon là-dedans. Ou prêt pour prendre là dedans sans problème. Pas de problème. Et n'a pas exorcisé lui d'abord. OK. Maintenant sous pour installation. Oui, non, nous te parlons de ça là. Nous te disons que nous avons un conseil qui n'est pas simple et qui n'est pas capable de le faire pour les garçons. Pour l'installation, est-ce que nous mettons d'accord sur un jour pour l'installation en fait? Et ça dépend de la commission de passation de pouvoir là, qui est en contact avec sécurité, protocole, etc. Parce que le palais a longtemps pas fonctionné et il y a un nettoyage qui est pour faire, il y a un système son. Il y a un système internet parce que nous t'arrêtons que toute province, tout département, yo gardé et cérémonie, toute diaspora capable de garder et cérémonie par Zoom ou bien par Google Meet, etc. pour que événement effectivement dit la toute diaspora, toute Haïti côté de internet. Est-ce que tout oui, donc entre lundi et vendredi, il faut que l'installation soit faite. Donc ça dépend de questions logistiques parce que gagne budget pour mettre, gagne alimentation pour sécurité et policière, gagne invitation, liste d'invitation qui pour faire, gagne mission diplomatique, yo, corps diplomatique là pour inviter, etc. Donc gagne une préparation qui pour faire. Et je ne sais pas si le week-end est capable d'accélérer, mais je pense que dans la semaine, la fête. OK. En principe, la semaine prochaine, l'élection est supposée être faite. Installation. Non, vous dites élection, installation. Oui, installation. Installation est supposée être faite. Mais l'installation est faite, et puis la demain, installation, on a fait élection, coordonnateur, conseil. Oui, c'est juste que vous ne pas venir. Puisque il y a une grosse discussion qui a eu entre nous sur ça au départ, sur l'élection, et nous avons dit que c'est après nous avons nommé installé Napfel, et là, dès que nous avons installé, nous avons fait l'élection pour choisir un président. Nous avons fait l'élection pour choisir un président, mais son président, ce n'est pas un président impérial, Jean-Baptiste Latéa, son président coordonnateur, parce que pouvoir, c'est dans 7 mondes votants que lié, et puis dans 2 observateurs qui. Sans voix délibérative. Au candidat? Et, ça dépend de parti. Le parti a beaucoup de pour le candidat. OK. Donc, moi personnellement, ou pas volontaire pour quitter le même parti. C'est ça. Je ne pas de pouvoir. Mais si le parti a demandé pour le candidat, bon,
ça c'est décision partie. Non, mais non, c'est pas le responsable et tout, c'est pas le responsable de parti, c'est où pour le diriger. Oui, mais même sous diriger, si parti a dit que le pas intéressé, m'pas intéressé. Bon, si parti pas... a dit l'intéressé. Parti a dit doit dire l'intéressé tout, ou même personnellement, ou pas intéressé. Exactement, il doit dire ça tout. Ok. On regarde qu'on y a là, il y a deux points, non? Arrêté qui nomme nous comme membre conseil présidentiel là. Et sont arrêtés et qui savent qui gagne la donne, mais gagne trois considérants la donne qui t'a laissé comprendre qu'il y a des bagages que nous gagnons pour nous faire dans le cas de la là. Là, on peut dernier considérant m'appeler le beau et on va dire nos compréhensions conseil présidentiel là. Est-ce que il y a des discussions nous déjà fait dans ce sens ça? Considérant que pour accélérer le processus en cours, il y a lieu de nommer les membres du conseil présidentiel de transition. À charge pour ceux-ci de soumettre les pièces requises ultérieurement dans un délai raisonnable et qu'à défaut de pouvoir le faire, ils seront obligés de se démettre. Compréhension sur ça et réaction, s'il vous plaît. Bon, compréhension, c'est que depuis le nous fait accord politique là, avec toute l'autre partie, yo, et organisation société civile là, nous te mettait 30 jours pour que nous baille toute pièce ça parce que état pays a état justice là et la police là la difficile pour joindre et des pièces et tout de suite comme ça, mais tout conseiller obligé déposer pièces yo Jean Constitution mandel et nous gagne un comité en dedans, un comité qui a recevoir pièces yo et comité ça a écrit chaque secteur pour dire et remplacer Mambouan parce que Mambouan n'est pas soumettre toute pièce que nous demandé lui voyez on l'autre monde et puis fait clearance là fait vetting là avant qu'on voyait pour que nous pas gain problème encore. On va finir trop comprendre explication. Est-ce que son travail qui était déjà fait ou bien son travail qui prend le fait sans expliquer là? Nous gagnons un comité. Nous gagnons 30 jours pour nous remettre pièce. OK. Nous gagnons un comité qui pour recevoir pièce. 30 jours c'est à partir de l'installation. C'est okay. Installation faite lundi là qui 22 probablement le 22 mai dépôt aux pièces à plat. Et commission, comité que nous mettons sous pied, pral dit nous, un tel manquait deux ou trois pièces, ou bien un tel pas satisfait à critériaux. Donc, nous avons écrit secteurio pour nous dire secteurio, un tel signe qu'à remplacer, et on l'autre monde qui lui-même capable de remplir tout ça que la Constitution a mandé. OK. Est-ce que nous pral faire sous la base article 2 décret qui créait conseil présidentiel là côté que décret ça dit autre condition qui gagne dans article 135 constitution il y a ajouté quatre autres faits la donne pour que un monde entre dans conseil présidentiel là. Est-ce que nous va le faire sous base article ça qui ça quatre autres faits rappelez-moi ça quatre autres faits c'est m'appeler pour vous, s'il fait actuellement bon interdiction s'il fait actuellement l'objet d'une accusation ou d'une poursuite pénale ou s'il a été condamné dans une juridiction quelconque. Ou bien tout si l'autre là, est sous sanction des Nations Unies. Oui, c'est sous sanction des Nations Unies, c'est le deuxième nom. Oui. Troisième nom, il n'est pas doué candidat à la prochaine élection qu'il y a pour le fait. Et puis, quatrième nom, il n'est pas doué opposé à la résolution 2699 Conseil des Nations Unies qui parlait de déploiement force multinationale dans le pays. C'est vrai, c'est deux contraintes. Première contrainte là, c'est la contrainte constitutionnelle là, que... Constitution en bas l'article 135 là. Et deuxième contrainte là, c'est accord que nous te joignons avec CARICOM et pour condition qu'on soit cité là. Yo. Ça veut dire qu'il faut accepter MSS là, faut qu'il n'y ait pas sous sanction des Nations Unies, faut qu'il n'y ait pas accusé. Il n'y a pas condamné, il n'y a pas accusé, il n'y a pas de condamné. Et puis il faut qu'il n'y ait pas de candidat. Maintenant, sous l'article 135 là. Oui. Nous changeons dans le projet de décret Conseil présidentiel de la Tébaye, il était retiré pour un alinéa 6 là la donne qui gain pourrait avec des charges sous tab géré et l'argent public sous tes comptables de niais public.
Ça c'est dans projet pas nous. Dans décret qui publié qui porte création nous, il prend en compte totalité article 137 là incluant alinéa 6 là sous question gestion des charges et bien public sous tes comptables. Donc question de déposer c'est respect constitution pour mon vin conseiller et présidentiel dans transition pas fait là nous souhaiter quatre points qui a ajouté au sauté abordé mais maintenant sur article 135 là nous songer dans projet décret nous même nous te soumettre là nous te retirer alinéa 6 là la donne qui gain pour avec décharge géré et bien public mais qui tourner dans réaction sur ça qui dans décret qui qui porter création c'est est-ce création que... conseil là qui est officiel oui est-ce il y a respecté tout prescrit tous les alinéas article 135 là. Oui. Nous-mêmes n'a respecté tout prescrit. Il est vrai tout que comme pas un parlement, si gen moun qui te gen pour joindre des charges, la très difficile pour joindre des charges. Peut-être que il est capable de faire un papier de cour des comptes parce que c'est chaque mois comptable public là est approuvé, soit fait etc. Donc et c'est ça qui a remplacé question des charges là parce que c'est parlement qui bail les charges. Mais et nous pas un problème respecter tout le prescrit de la constitution. Donc okay. Si vous comprenez bien, tout à l'heure vous dit bien. Tout à l'heure vous dit et commission cap chargé pour analyser document que conseiller pour le présenter là. S'il t'a regardé des documents qui manquaient, il y a écrit avec structure pour demander au changer représentant. Donc au monde ta président conseil présidentiel là et puis s'il bagarre tout papier, c'est pas lui qui a continuer aventure là. Oui, je pensais ça. Je pensais que si parti ou là pas de fait vetting pas garder si papier était bon mais et ben ce secteur là qui a bien problème là pour le remplacer par exemple secteur interfait et observateur qui était voyé Dominique Dupuis Dominique est retiré colis sans que il pas gain sanction de comité a il est remplacé immédiatement par madame mon premier et non, il remplace par ambassadeur. C'est l'inverse, c'est l'inverse, c'est l'inverse. Madame mon premier trompé de secteur, trompé de secteur. Non, c'est même secteur oui, mais sauf que madame Dupuis c'est pas l'observateur. Observateur, OK. Oui. Oui, observateur. Observateur changé deux fois, Yon dit changé René Jean Jumeau par Régine Abraham. L'autre là, il a changé madame Dominique Dupuis par Smith Augustin. C'est ça. Donc c'est comme ça la fête chaque fois que gon problème. Kounia et besoin comprendre et on t'a dit que famille Lavalas président conseil là. Ça veut dire Leslie Voltaire président conseil là, OK? Leslie Voltaire pas gagne tout papier. Comité a mandé famille Lavalas pour lui désigner un autre monde. L'autre monde là est-ce que l'a automatiquement président puisque tu es représentant la Valas là qui était président conseil présidentiel là. Oui, je pense que gagne une prestation de serment qui va être faite encore pour prochain membre blanc et puis capable probablement gagner élection en l'autre coordonnateur. De tout qualifié d'office comme président. Et ça c'est dans mesure qu'on est. Pas quoi, je pense que est capable gagner l'autre élection. Parce que son corps que lié gagne et 9 représentants pas gagne un qui gagne plus pouvoir que l'autre sauf que 7 yo gagne pouvoir de voter et 2 yo gagne pouvoir d'observation et me pensais que nous capable entre nous choisir un autre coordonnateur si ça t'arrivait avec président conseil là si me comprendre dans le fond nous pas gagne un problème avec décret gouvernement publié qui pote création décret 12 avril là nous pas problème ensemble avec lui. Nous avons un problème avec lui parce que ce n'est pas décret, pas nous. Nous avons un problème avec lui parce que ce n'est pas ça que nous avons voyé par CARICOM. Nous avons 2 ans de travail avec toute parti politique, toute organisation, société civile pour nous produire un accord. Et le nous avons voyé par CARICOM et non tout le monde, le gouvernement a demandé accord là. Nous chita ensemble des gens qui étaient adversaires depuis longtemps, des mondes qui étaient alliés depuis longtemps, et c'est un conseil qui gagne et des mondes qui sortit d'horizons différents, de l'extrême gauche à la droite. Et nous pensons que nous arrivons à faire un travail remarquable, que tout le monde sait. Je demande si c'est vous-même ou bien non, si c'est M. Voltaire. C'est M. Voltaire.
Monsieur Voltaire. Toute nouvelle sans stress. Est-ce que oui, son téléphone qui montait sous moi là et puis et bah la disparaître et pas grave, pas grave, mais continuer. Et retourner mon temps encore. Mon sac à brûler et monsieur Voltaire là. Monsieur Voltaire, comme il a se trompé avec Voltaire, il retourne encore. C'est bon maintenant? Chaque fois, mon téléphone qui relève les mains et qui coupe. Mais oui, c'est quoi ça la pièce sur WhatsApp? Vous m'avez continué. Mais ça que me dit, c'est que nous avons 3 ans que nous avons chita, fait dialogue ensemble, essayé de jouer nos ententes. Nous arrivons à jouer nos ententes là. Grâce à l'intermédiation, à médiation de CARICOM, nous avons des noms pour former conseil là. D'abord, le gouvernement dit que il n'est pas publié non yo, si nous pas produit un accord politique. Nous rechitons ensemble en 15 jours entre nous adversaires et alliés, nous faisons un accord. Nous voyons accord là by et CARICOM qui transmettent li by gouvernement. Gouvernement pas publié accord là et dit publié un décret qui pas semblé avec décret pas nous. Mais nous pas qu'à faire population entendre tout temps ça avant que n'entre en fonction. Donc, nous accepter entrer en fonction malgré que nous pas d'accord avec décret ça. Donc, dès que nous finissons entrer en fonction, est-ce que nous avons publié décret pas noir? Immédiatement, je pense que nous pouvons publier décret pas noir. Nous pouvons publier dans 2 grands journaux de la République et nous avons publié dans le moniteur. Est-ce que... Okay. Est-ce que maintenant, dans décret pas noir, on se conduit, j'ai dit. Dans projet de décret, on va le publier là. Dans l'article 8 là, il retirer point 6 là oui, dans alinéa article 55 constitution et c'est un point de c'est un irritant et moi connais qui gagne dans décret gouvernement publié 12 avril là. Donc soit ce dit là, c'est une publié décret comme ça, soit ce dit là qui dit n'a respecté toutes prescrit article 55 là, décret pas nous pas mandé, décret conseil présidentiel là pas mandé pour respecter toutes prescrit article 55 là. Bon, nous-mêmes nous pas un problème respecter et prescrit constitution même si il va marquer nous pas un problème avec lui. Il dit que il y a deux problèmes. Yon c'est question la police là avec la justice là pour joindre papier ça et pour produire donc là pour temps et deuxièmement question de décharge là il gagne un problème avec parlement qui pas existé Kounier et ça fait quelque temps que parlement pas existé donc il est capable remplacé par coup des comptes. Est-ce que de manière administrative, oui. Nous avons auto-créé, parce que si nous-mêmes comme conseil présidentiel, nous créons un décret qui institue le conseil présidentiel, là, ça t'a dit que nous avons auto-créé. D'une manière administrative, pas attendez. Est-ce que de manière administrative, nous avons auto-créé, et peut-être nous, si vous voulez faire pléonas là, pour que nous comprenions, puisque nous sommes un conseil présidentiel, est-ce que nous-mêmes, pour que nous avons pris sous nous, pour nous. Et promulguer un décret qui crée un conseil présidentiel. Bon, nous-mêmes, c'est pas un décret que pour être nommé nous. C'est un accord que nous fait. C'est accord là qui crée conseil là. C'est accord politique que nous fait hein, qui est que tout secteur qui est dedans approuvé et nous regrette que conseil des ministres là avec ministre Boisvert non plus pas publié accord là dans intégralité. C'est accord là qui créé conseil là. C'est pas Ariel qui nomme un conseil vraiment, on accepté faire compromis mais c'est accord là que n'a respecté nous-mêmes. Non, accord là c'est youn. Accord là c'est youn, c'est entente entre les partis. Maintenant on a parlé du décret qui portait création au conseil présidentiel là. Accord c'est là, la, différent, c'est deux documents que, différents. Accord que nous signons, il y a un décret là-dedans qui porte création. C'est décret ça que eux-mêmes ont modifié. Ils ont pas de droit entrer dans le contenu. Ils étaient qu'à entrer dans visa avec la considérant, mais pas dans le contenu. C'est pas un décret, c'est un projet de décret. Pardonnez-moi, c'est un projet de décret. Oui, ça veut dire qu'elle a publié lui-même. Ça veut dire qu'elle a publié. Nous, droit de l'État, droit administratif et droit public. Oui, c'est un projet de décret. Mais un projet de décret, ça, c'est un accord qui crée projet de décret. C'est un accord en tout secteur politique et société civile organisé. Mais on dit qu'il n'y a pas de droit de modifier. Qu'on a nous-mêmes droit de pour nous republier. Oui, exactement.
Que tu me poses de questions très rapidement. Et Benson t'a dit là que par rapport à l'engagement que prend le nouveau des documents par CARICOM, acceptation à force accepter force multinationale d'appui à la sécurité, là, c'est une condition. Yo. Et ou même et au niveau de conseil là, et c'est à qui et la force multinationale d'appui à la sécurité viendra, ne viendra pas, c'est à qui, c'est pas une discussion sur ça. Non, qu'est-ce que nous même nous croyons que conseil de sécurité Nations Unies est au-dessus de loi pays et au-dessus de loi tout pays, parce que nous signons les Nations Unies que conseil de sécurité a est au-dessus de nous-mêmes. Conseil de sécurité a voté en résolution 2699 qui mandait que gagnons force multinationale qui passe sous l'obédience l'ONU mais qui sous supervision l'ONU qui pour entrer. Il a demandé Canada prend direction, Canada refusé, il a demandé Brésil prend direction, Brésil refusé. Il fin pas mandé Kenya pour prendre direction. Mais c'est la résolution 2699 là que nous y est. C'est nous pas directement en affaire avec Kenya, en affaire avec Conseil national de sécurité. Monsieur Georges, par rapport à mission, attendez. Non, attends. Mais par rapport à mission, Robertson, il va répondre. Est-ce que mission a venu ou pas? Oui. Ok, qui aime répondre, ni plus bien pour vous. Que Kenya refuse Kounia et que dit c'est Salvador pour le faire, nous pas un problème. Que Salvador refuse, il dit c'est Argentine ou même Colombie pour le faire, nous pas un problème. Mais Conseil de sécurité, c'est lui-même qui a dirigé Kounia question ça, question de maintien de la paix ou de force de sécurité. C'est lui-même, c'est avec lui-même que nous avons fait. Ok. Donc pas grand qu'une opposition par rapport à ça. Et il y a mon qui dit ah, il y a mon qui a monté cheval des salines, etc. Et ça, ce n'est pas le cas. Et il y a un accord, nous t'es d'accord. Et puis bon, on va avancer. Maintenant, deuxième question, hein, c'est sur des charges, sur tes évoqué là, des charges à constituer un problème et la pays a et mon qui te servent l'État malheureusement. Pardon. Oui. Super. Maintenant, et avoir avancé dans point important. Et ben le rappel là pour nous dire que nous t'ai parlé avec mon famille Lavalas qui pas de jambe véritablement d'accord avec déploiement force étrangère là. Est-ce que qu'on y a la wap dit nous monsieur Voltaire ou même nous-mêmes au niveau de famille Lavalas nous vinn entrer dans l'erreur, nous pas de problème avec déploiement force étrangère là qu'on y a là. Depuis nous t'ai d'accord pour nous t'ai signé et accord là avec CARICOM ou ben sous médiation CARICOM et que accord là t'ai dit 1. Faut pas sous sanction Nations Unies. 2. Faut accepter MSS là. Et 3. Faut pas accuser ni ou t'es d'accord. Etc. Depuis que tu es d'accord avec ça, tout le monde est d'accord avec MSS là. Parti ça dicté. Robertson, vas-y. Maintenant, c'est une caractéristique de fondation et tout de transition. Maintenant, mission, deux gros missions, c'est assurer sécurité pour aller à l'élection et élection et retour à l'ordre démocratique. C'est plus gros et mission. Et ça aussi a des exigences qui ont cadré exercice ça. Élection, là, n'a pas de niveau. Oui, nous gagnons un mandat pour qui pour arriver à remplacer gouvernance la classe politique qui va le diriger à et que ce soit dans le parlement, dans la présidence, dans la mairie, etc. Et il faut que tout le monde pare le 7 février 2026. Donc si m'a compté kounia, nous sommes passés un mois déjà, manqué et 21 mois. En 21 mois, ça veut dire à peu près 600 jours. Non, moins que ça, c'est ça. Et nous commençons à compter à partir de l'installation. Et à partir de l'installation, nous gagnons comme gros mission, trois gros missions. Un, sécurité. Deux, assistance humanitaire et relieusement économique. Et trois,
élection. Faut élection qu'a faite et sur tout territoire, nous t'a espéré que nous joignent 85% de monde qui a voté. Bon, on a présigné nous avec 70%. Nous gagnons et pour nous bailler sécurité pour tout le monde capable de faire campagne n'importe qui côté et dans le pays. Et à part de ça, nous gagnons des grands chantiers. Premier grand chantier, c'est mettre en place gouvernance. La gouvernance, là, c'est un exécutif à deux têtes. D'abord, nous avons une première tête là qui c'est le conseil présidentiel là. Ensuite, une fois que nous installé, nous avons gagné des noms pour le premier ministre, que nous prenons une semaine pour nous trier, pour nous capables de joindre deux ou trois candidats que nous avons interviewés pour nous joindre au premier ministre rapidement. Et puis ensuite, pour nous former gouvernement. Ça, c'est un processus qui est capable de prendre pour moi-même et deux semaines après installation. Ensuite, il faut créer le Conseil national de sécurité et de défense là, qui lui-même prend l'interface avec force de l'ordre qui est ici, la police et l'armée, mais interface tout avec MSS là, qui a venu en appui à la police et à l'armée. Ensuite, nous gagnons pour le faire et commission de réconciliation nationale là, et une conférence nationale qui lui-même va déboucher sous une réforme constitutionnelle. Et ensuite, nous gagnons pour le faire une commission de vérité, justice et réparation pour aider toutes victimes, soit victimes qui ont subi massacre, soit victimes qui déplacées, quand vous avez 300 000 personnes qui déplacées pour retourner dans le quartier. Yo. Et ensuite, pour que nous soyons capables de réaliser une élection, comme vous avez dit, libre et honnête. Et honnête. Maintenant, si je peux me corriger, et par rapport à quatre conditions, ça y est, accusation, et y a des accusations, et accusation ou condamnation en juridiction étrangère. Mais là, je me garde, je me dis, bon, ok, et, mon qui était inculpé, et pour responsabilité, et dans l'assassinat président Moïse, est-ce que mon ça y est, check automatiquement, y a pas un jeu de compétition électorale qui est pour venir? Par exemple, il y a M. Guy Philippe qui était, est condamné pour blanchiment des avoirs dans la juridiction étrangère des États-Unis, est-ce que la prochaine élection tchèque n'est pas éligible? Et d'autres monde qui étaient condamnés par des tribunaux de droit commun en Haïti, et tchèque, est-ce que n'est pas éligible? Et au monde qui a réfléchi comme ça, est-ce que est bien réfléchi ou bien mal réfléchi? Est bien réfléchi, mais ça, c'est pas la tâche nouveau et décret électoral là. Et c'est pas la tâche nouveau conseil électoral provisoire. Ou bien si constitution est en fait nouveau conseil électoral permanent. Donc c'est pas tâche conseil présidentiel là, mais c'est pas tâche la justice avec conseil électoral. Ça c'est un dégât de fou et qui a établi règle je t'as bien compris. Oui, le nouveau décret électoral là, il va établir garde fou ça. OK, maintenant dernière petite question, on va parler de décharge. Décharge là, nous fait expérience de décharge en Haïti. Ils utilisent un arme pour neutraliser les adversaires politiques et parlement, commission et bicamérale de décharge là, est très peu et productive en termes de libération de décharge, coup des comptes tout lui-même et c'est faire rapport, c'est à parlement surtout pour bondité et ministre pour bah décharge. Donc nous connaissons des problèmes ça poser et il y a un monde qui a souffert de ça. Il y a une compréhension comme ça dans la société. Il y a une autre compréhension qui dit tout, mais là, nous, on relativise des choses là, on va qui arrive au plan politique, c'est que le conseil de monde qui a géré comme l'État, notamment et Petro-Caribé, entre autres, et qui là, il y a une virginité là, il y a des difficultés comme bah, je n'ai pas un parlement, route qui t'a blessé comme moi, alors que j'ai fait des bah, terribles, là, j'ai été ordonnateur et gestionnaire de biens publics. Mon dit qu'il y a une préoccupation qui estime que, pas mal de décharges là, son jurisprudence qui a créé là, pour permettre des mondes qui t'a fait l'objet dans l'argent l'État qui vient et n'a pouvoir encore. Soit t'as qu'à répondre à la question ça. Bon, m'a répondre d'abord à première considération que tu as fait. Pour moi-même, décharge la pas doué un processus politique que lié. Son processus administratif, pour moi-même, c'est coup des comptes qui pour ta bail décharge là. C'est dommage que la constitution était bail parlement qui sont entités politiques et bail décharge là. Et
parlementaires, ils même ils toujours éliminer rival. Et ça, son problème. Et bien des fois, il n'y a pas de décharge là parce qu'il connaît qu'un tel prend l'élection en face, il n'y a pas de décharge. En plus, c'est une injustice que vous fait à serviteur de l'État, il n'y a pas de décharge là parce que non seulement il n'y a pas qu'à participer à l'élection ou bien dans des postes importants, mais en plus, tout bien, il y a hypothéqué et il n'y a pas qu'à faire aucune transaction sous bien. Donc, son injustice. Pour moi-même, si la prochaine constitution, il y a retiré ça, il y a mis sous coup des comptes, l'étape encore meilleure. Ce n'est pas un processus politique pour lier, c'est un processus administratif pour lier. Qu'on y a sous deuxième question, sous le monde qui volait l'argent, la Petro-Caribé. Il y a accusé de voler l'argent parce qu'il y a beaucoup de décisions de justice. Il y a une présomption d'innocence. Et pour moi-même, c'est la justice. C'est plainte pour yopoté. C'est l'État haïtien qui pour porter plainte dans la justice, qui pour accuser Mounsayo. Donc, ce n'est pas le conseil présidentiel là qui pourrait l'accuser. C'est en question. Non, non, pas de pour accuser. Non, on parle de décharge. Et il y a des gens qui sont indexés, il y a des gens qui ont un rapport. Maintenant, c'est des gens qui disent, comme il y a une possibilité pour gagner des charges, il y a des droits, il y a des ambitions et politiques. Maintenant, non. Et difficulté de gagner et non pas mettre des charges là ou bien ta relativité des charges là parce que pas le parlement mandat coup des comptes fini attaque contre infrastructure judiciaire et policière fait que gagner des dossiers qui doit pas disponible il y a une espèce de flou artistique certains mondes a dit qui existait qui a permettre des mondes qui étaient gagné des casseroles faufiler et venir doubler tête dans le pouvoir monde qui a une préoccupation ça qui voulait que gagner et pas d'impunité, que pas de tolérance pour mon guider dans la classe politique, entre autres, qui t'a fait de l'orbe dans bien l'État, pas où il faut filer, il reproduit, même si bah, il t'a fait. Moi, tant des préoccupations ça exprimé, est-ce qu'on a dissipé, après, sur ça, yo, la caille monde qui gagne, yo, ou pas, monsieur Voltaire? Bon, son préoccupation légitime, son nouveau, une nouvelle gouvernance qui a monté là, pral gagne, pour moi-même, un ministre de la justice sérieux, pral gagne un appareil judiciaire, qui pral nettoyer et c'est appareil judiciaire ça avec décret électoral là qui pour filtrer moun sa yo. Si malgré ça yo passé la maille et serré de justice là avec de décret électoral là kounya c'est pral électeur qui pour dit et yo vle on voler ou ben pas vle on voler. Ben oui on va passer sur plusieurs autres points moi dans pour moun venir premier ministre et dans le gouvernement que nous parlons pour mettre campé et même gens nous retirer des contraintes et constitutionnelles nous retirer des contraintes pour autre par exemple question nationalité là. Oui et c'est une gros ouverture que nous fait sur haïtiens qui vivent à l'étranger sur diaspora qui vivent en Dominicanie qui vivent New York qui vivent Miami Canada etc c'est eux même qui plus gros contributeurs dans pays là c'est eux même qui gagnent 85% des intellectuels, des universitaires, des professionnels, des artistes, etc. C'est eux-mêmes qui a fait pays à vivre. Et nous pensons que si nous acceptons que nous sous tutelle chapitre 7 des Nations Unies, nous en bas blanc, plus qu'on y a nous en bas et Kenya, nous en bas et CARICOM qui a surveillé ça pour accord là. Et mettre en action, nous pensons que diaspora il a tout droit pendant 2 ans ça pour prouver qu'il est capable de participer politiquement, économiquement, intellectuellement, là redresser Haïti. Oui, c'est des changements qui en plus monde qui estime qui gagne sens li, mais quand même c'est des changements que nous prend sous pour nous faire la constitution. Quand je ne vois ça. Allô. Excusez-moi, c'est téléphone qui empêche. Oui, je comprends ça. Je comprends qu'on est le président de la République. Je n'ai plus l'appel, lui. Comment ça arrive à lui? Et, où est-ce que mieux là, M. Voltaire? Oui, maintenant, dernière question, dernier commentaire là. Mais... Non, justification, tu as porté sous barrière, nous retirer dans, pour mon vin premier ministre. Moi, je dis qu'en plus, le monde est capable d'estimer que c'est correct, implication et diaspora. Mais en même temps, tout, c'est des dispositions constitutionnelles nous prenons sous nous, au niveau du conseil de façon unilatérale, pour nous retirer de la constitution. On dit qui est-ce qui a nos autorités à droit pour nous faire changer dans la constitution.
même autorité ak droit que Ariel te prend pour nommer juge à la Cour de cassation, yo, même autorité ak droit que Conseil des ministres te nommer un HCT qui parle en constitution, nous même nous pensons nous nous dans des circonstances exceptionnelles que faut diaspora participer dans un redressement pays a, et d'abord nous pas capable lever camper sans diaspora. Nous capable avoir des exemples, par exemple nous songe que Leonel Fernandez son dominicano américain et Hipólito Mejía son dominicano américain, etc. Donc et bah ouais, pour qui ça et que diaspora pas capable participer dans le redressement pays a, d'autant plus que l'oral dans la diaspora c'est et manger haïtien au fait yo fait ti vodou yo correctement yo et participer dans toute assemblée cap aider communio yo construit de l'école yo construit des cliniques yo voue manger en Haïti donc yo c'est nation haïtienne même sauf que li à l'extérieur et puis entrer en Haïti vinn nan enterrement vinn nan cérémonie et tout temps. Donc yo aussi sur point ça pas de discussion sur important d'asseoir non mais maintenant et là pas non répondre une question ça c'est clair ou bail argumentaire pas monde qui a contester ça et de fait que c'est souhaitable que Haïti qui a bénéficié de l'expertise pays là mais en fait est-ce que tu as des dispositions constitutionnelles qui t'est prend maintenant par rapport à ça bon on dit Ariel t'es fait etc est-ce que c'est parce que eux même t'es fait dans les circonstances exceptionnelles de la constitution que nous même bon légitimité à ça ou bien bon acceptation à ça c'est ça certain monde d'accord comprendre mais la grande équivalence qui t'a garanti gens et fois c'est certain monde mais et pour fois c'est ou pas m'ta même connaît le nous même nous pas le prêter serment ce qui ça pour nous dire je jure de respecter de faire respecter la constitution et les lois de la République et l'accord cette partie là de cérémonie là pour faire là et la bien salade ou pas monsieur Walter la bien salade n'a pleuré devant la nation parce que normalement constitution amendé pour prêter serment devant assemblée nationale là qui constitue de députés et de sénateurs comme yo pas là c'est eux même qui te représenter la nation nous même n'a juré devant la n'a prêté serment devant la nation c'est m'a dit qui ça n'a prêté collé sur toute partie constitution hein, que qui est applicable mais il y a des parties pas appliquées qui bon vous donc pour par exemple le président nous gagnons une présidence et n'a prêté collé à yo. OK, donc le serment sera, je jure de respecter, de faire respecter les parties de la Constitution applicables dans ces circonstances d'exception et les lois de la République, ce sera la formule ou cela devrait être la formule? Cela devrait être la formule. OK. Et maintenant, dernière question, ma babode avec quoi, c'est la question de la sécurité. Et où sont indiqués là, et vous avez discussion qu'a fait avec une commission responsable de sécurité pour que gain un dispositif qui mettait autour du palais national une zone sécurisée et on voit l'accès pour permettre éviter au venir dans le palais national mais tout autour et bon je n'ai pas à vous décrire ce que vous savez mieux que moi et c'est l'effondrement c'est les attaques c'est les pillages c'est les destructions d'écoles d'entreprises, gros, petits, c'est pratiquement un centre-ville qui a siégé. Et les défis sécuritaires sont immenses. Et qui garantit que nous avons porté maintenant des raisonnables réponses en termes de sécurité pour la population là, qui a dit on t'a agédi, M. Voltaire. Bon, premier et ça que nous avons dit, c'est que le poisson pourrit par la tête. Nous pensons que pas de aucune volonté politique d'attaquer la sécurité et pays à vraiment. Donc, qu'on y a après une volonté politique. Et la volonté politique, ça, nous allons créer un Conseil national de sécurité et de défense, et avec des experts et avec Premier ministre, là, avec la police et avec l'armée. Et ce Conseil national de sécurité, ça, qui est pour présenter nous, ben, conseil là, un plan de sécurité et de défense sous 2 ans qui pour permettre que nous avancer sous question insécurité dans tout pays,
mais qui permet tout que nous allons commencer à penser à élection. Parce que Kounia, tout dit, nous allons faire élection Kounia, tout le monde a pris parce que nous allons en condition ça. Nous allons en condition de guerre de basse intensité, de guérilla urbaine, de terrorisme. Il faut que nous résoudre la question ça d'abord, mais nous-mêmes, nous avons une volonté politique là, mais nous n'avons pas des experts en sécurité. Nous n'avons pas nous-mêmes et capacité ça, mais le Conseil national de sécurité, c'est l'IFAP. Mais, allô? Allô, allô? Allô? Conseil national de sécurité de défense là, qui prend interface mais, avec l'armée et la police et probablement avec MSS là, quelque forme. Quelle que soit forme que MSS la prend. Maintenant, où dit pas de volonté politique? Et, où est-ce que nous sommes en train de pas de volonté politique? Est-ce que le gouvernement, M. Henri, où l'on dit pas de volonté politique? Expliquez-moi, vous comprenez de qui soit parlé. Ça veut dire que depuis le 22 juillet 2021 que Ariel Henry montait, au lieu que l'insécurité a baissé, l'insécurité a valé terrain. Et c'est un contrôle de territoire tout le temps. Et autant dès que le ministre a dit que bon paquet de territoire perdu, donc on a un territoire là, vient à 80% perdu, on n'a pas senti que tu n'as aucune volonté politique pour que tu aies enrayé la question sécuritaire. Au contraire, volonté politique là, c'était à chercher des forces internationales, quand pour le Brésil, le Canada ou bien le Kenya, pour venir résoudre la question insécuritaire. Il n'y a pas de jambes basées sur la force nationale pour faire travail ça. Bon, maintenant, l'on dit pas de volonté et politique là. Là, nous-mêmes, nous prenons le pouvoir là dans une semaine. Et 1, 2, 3, 4, qui s'est pas le montrer distance volonté politique ou qui pas existé? 1, 2, 3, 4, nous prenons choisir un nouveau premier ministre qui prenons choisir avec nous un nouveau cabinet ministériel. Un nouveau cabinet ministériel, ça a gagné un ministre de la justice et de la sécurité, probablement. A gagné un premier ministre, que eux-mêmes, ils vont faire partie du Conseil national de la sécurité. Et c'est eux-mêmes qui vont agir et qui vont planifier qui gens ils vont faire combat contre l'insécurité. N'a pas qu'un chef de la police, qu'un chef de l'armée, n'a pas renouvelé, n'a pas changé, qu'est-ce qui est prévu? Ça a beaucoup dépendre de nous, ça peut dépendre du Conseil national de sécurité. Qui pourrait être possible. C'est dans l'autre des choses possibles, ou pas? Tout le bagage dans l'autre des choses possibles, dépôt pas performant, et place ou pas là. Parce que nous avons 21 mois pour une efficace, pour une performant, et nous pourrons chercher, joindre le plus de communication avec la population possible, parce que tâche nous, son tâche qu'un coup de docteur qui pour guérir les nations mentalement et physiquement, et pour que nous apaiser, pour que nous calmer la situation, pour que l'élection soit capable de faire, et pour que nous capables de joindre des nouveaux nouveaux gouvernants à partir de 2026, 7 février 2026. Monsieur Walter, ok. Maintenant, attendez, dernier, mieux de suite. Toujours été sous sécurité. Et sous ça, m'a prêté mes secondes questions, mesdames. Non, m'a demandé de lire ce évaluation que vous faites de force de sécurité nationale, la police avec l'armée. Oui, et nous commençons à parler avec eux, et c'est pour ça que nous gagnons.